Et donc voici le problème du mois. Alors c'est parti, là le sommaire officiel démarre. Le sommaire du problème du mois qu'on va donc découvrir. On a eu un petit avant-goût assez intéressant puisque nous allons parler de bouche, de partouze. Nous allons également parler fissure de anale. Double pénétration. Et nous terminerons avec des fissures anales. Et vous avez oublié le sperme. Ah, j'avais oublié le sperme, c'est vrai. Oui, c'est, Alors que c'est tellement goûtu. Oh, moi, trop bon. Aïe, monsieur Pédric. Non, c'est Cédric, moi. C'est pas Pédric. Hey. Par contre, Manu l'a déjà goûté. C'est sympa comme petit. Ouais, quoi, j'ai goûté le mien, ouais. Bah, faut pas mourir con. Bah, c'est goûtu, hein. C'est tiens. Bah, ouais, c'était, je t'ai dit, moi, c'était salé comme des chips. Qu'est-ce que c'est non, bon. C'est pas super salé. Ah, bah, moi, le mien, il est très salé, Marie. Si tu veux, je t'en sors une fiole. Non, ça va. C'est bon. C'est pas le genre de truc que j'aime. Je t'en sers une petite goutte, Marie. Non, sans façon. Un petit godet. Allez, on y va pour le problème du mois, c'est parti. Allez, la première, donc c'est Corinne, 18 ans, de Paris, la capitale. Alors elle a écrit un sexy docteur sur internet. Elle a un problème. C'est en fait, ces mecs, en particulier le mec qu'elle a en ce moment, il est dégoûté par elle, parce qu'en fait, elle a plus de la gueule, mais un truc d'incroyable. C'est une bouche d'égout. C'est pas une bouche tout court qu'elle a, c'est une bouche d'égout. Elle a également un problème. Un autre problème, c'est sur la langue. Elle a des. Comment ? Elle a du dépôt jaune. Ah. Du dépôt jaune et son mec, tu sais, genre, bon, elle aime bien sucer, son mec refuse. Il refuse. Ah, même se faire sucer. Ah, bah ouais, parce que tu sais, bon, avec la bouche qu'elle a, il a peur, quoi. Ah, oui, genre, elle lui salue la. Salue pas les dents. Hein. Il a. Ah bah il faut qu'elle se brosse la langue aussi hein, parce qu'a priori avec le dépôt jaune Cédric tu as bien déjà eu ça. Comment il peut rester avec une meuf comme ça jamais. Bah, elle a peut-être au début elle devait pas être comme ça la pauvre. Elle a un problème à la gueule. On pourrait avoir témoignage de membres de l'équipe. Non mais moi j'ai eu mais pas du jaune. Arrête. Non j'ai pas eu de jaune. Ah mais toi t'as eu une mycose toi. Ouais j'ai eu une mycose à la langue moi. J'étais sexy. C'est quoi c'est le truc géographique. Ouais langue géographique en fait voilà. Moi j'avais un trou dans la langue au milieu elle était fendue. Oui c'était très moche. Ouais c'est ça ouais bah, ah ouais mais horrible hein. Ça m'arrachait la gueule, genre je bouffais un truc, tu sais, qui piquait, ça me brûlait. Ah, tu as un ami qui sentait le caca de la langue l'autre matin. C'était Cédric. Oh. Ah si, l'autre matin. C'est pas les pieds, c'est le caca, le belge. Non. Ah aussi, c'était horrible. Tout pour plaire, gros. Attends, quand t'étais dans l'ascenseur avec moi, c'est-à-dire que j'étais à l'autre bout de l'ascenseur, c'était le truc, mais. Tu es la merde. Il était, 5, il était 6h moins 5, juste avant de vous dire bonjour. Apparemment, je peux vous dire tu que... lui as pas dit parce qu'il est. C'était dangereux. Hein. C'est vraiment un sale mytho. Mais t'as pas vu un moment, je me suis éloigné quand tu me parlais. T'as pas vu, il s'est tourné face au mur. Tu lui parlais, mais il était face au mur. Que je me lave les dents le matin. Ah bah oui, bah, lave les deux fois. Ah non, mais il faut faire un bain de douche en plus. Hein. À bain de bouche. À bain de bouche. Oui, c'est vrai, oui. C'est ah bah ouais, non, mais ça c'est bien ça. Pas grand chose. Bon, non, alors. C'est clair. Le numéro 2. Oui. Alors ça c'était le premier problème du mois, l'autre qui pue de la gueule et qui a du dépôt jaune sur la langue. Oui. Sympa. Alors la numéro 2, c'est même Émilie. 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 Émilie, donc. Alors, elle s'appelle Émilie ou Émilie tout court. Émilie, c'est Émilie. Elle a 18 ans. Mmh. Elle aussi. Elle n'a pas de ville. La pauvre. Elle ne l'a pas marquée. C'est moi, elle est terrienne. D'accord. Alors, elle a un problème, c'est ses parents. Ses parents, en fait, bon, déjà, ils sont vachement démonstratifs, tu vois, ils se roulent des pelles en public. Ah, c'est le que vous avez mis deuxième la semaine dernière. Et alors, le principal problème pour Émilie, c'est que régulièrement, des gens viennent à la maison, a priori, pour. Hein, donc en fait, Émilie raconte un petit peu comment ça se passe tout ça, quoi. Il est super ce problème. Et donc celui-là, elle est mal parce que ça vous mettrait mal. Vous. Ça la met mal à l'aise. Ses parents sont des partouzeurs, sont, on peut le dire un peu exhibes puisque en public, hein, ils ne se gênent pas, quoi. C'est la teuf au village, quoi. Bon, oui, alors que bon, c'est la vie. Bah oui. Ah Romano. De quoi? Alors, mais horrible. Ah bah voilà, ça. Ah bah c'est la vie, je dis. Bah oui, et puis quand je prends l'exemple personnel. Non, non, parce que là, genre en public, tu vois, moi ça me dérange pas que mes parents ils s'embrassent en public, mais après il y a quand même des. Ils embrassent des autres, leurs amis. Oui, ah, non, mais ça va aller. Leurs amis partout. Non, mais moi je te dis, s'ils ont envie de faire des partouzes, tu sais, à limite. C'est leur problème, ouais. Sans que tu sois là. Quoi. Voilà, voilà, le genre là, ils sont en train de partouzer alors qu'il est. Ce n'est pas grave, je ne suis pas chez eux, et cette nuit je ne rentrerai pas chez eux. Je pose pas de problème, mais moi je préfère pas le savoir, quoi. Alors que Émilie, tranquille, est dans sa chambre et ça baise à côté. C'est cool. C'est la fête à la maison. Ah, horrible. Bon, Émilie, c'est le problème du mois numéro 2. Si vous voulez en savoir plus sur les parents partouzeurs et si vous voulez qu'on aide les parents partouzeurs, eh bah, choisissez le 2. Mais attention, c'est pas fini. Voici le troisième problème du mois. Le numéro 3, c'est Lorraine, 43 ans par internet. Elle a écrit à Jacques Weinberg. Alors, Lorraine a un problème avec le sperme. Oui. Elle se pose bien des questions, la pauvre Lorraine. Elle arrive à prendre dans la bouche. Bon, ça, tout est normal. Ah non, oui, toutes les filles n'arrivent pas à prendre dans la bouche. Ah bah, ça, c'est clair. Tout est normal pour Lorraine. Son principal problème, c'est quand elle essaye d'avaler, quoi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, elle rejette tout.
Alors, elle n'arrive pas à avaler. Mais elle vomit. Ah bah ouais, c'est tu sais en fait bon. Ah ça c'est sympa. Ça va commencer à descendre et puis ça remonte quoi. Tu vois, il y a bon puis ça remonte. Ça remonte avec ce qu'il y a d'autre dans l'estomac quoi. Mais elle a pas compris que dans ce cas-là il fallait arrêter d'avaler. Non parce que elle veut absolument y arriver. D'accord. C'est un peu une mission, un objectif qu'elle s'est fixé. C'est réussir à avaler. Elle sait que ça ferait très plaisir à son mec qui lui demande régulièrement d'avaler. Donc elle aimerait bien quoi. D'accord. Elle aimerait bien y arriver. On va essayer de faire plaisir à Lorraine donc. Bah là Cédric et Marie nous donneraient des conseils. C'est le problème. Bien sûr, t'as raison. C'est le problème du mois. Numéro 3. Bon voilà, trop simple. Comme un aliment. C'est bien bon. Voilà, c'est goûtu. Fred, 22 ans de Lyon. Ouais, lui a écrit à Mistrick sur internet. Alors lui, Fred, il y a quelques temps, il a offert un godemiché à sa meuf, un sextoy, quoi. Et bon, alors ils font régulièrement l'amour avec et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, sa femme, elle a du plaisir que si elle a le sextoy et le mec en même temps dans ses organes. La gourmande. La gourmande, elle aime se sentir bien remplie, bien remplie, quoi. Ah bah oui, elle a l'air remplie deux fois. Et lui, ça l'ennuie un petit peu parce que bon, bah il aime bien, tu vois, l'utiliser de temps en temps, mais. Moi, j'aime pas tous ces objets, moi. Ouais, de temps en temps. Oh, ça peut être rigolo. La petite question, qu'est-ce que vous en pensez, oui, parce que ça, je me suis toujours posé la question. C'est rigolo. Romano en a, Marie en a, Cédric en met. Donc, et moi, Samy, J'en mets à Momo. À Momo, t'en mets à Momo. Voilà. Donc, pratiquement bah, plus de la moitié de l'équipe. Ça, bon, ne parlons pas de Karim, bien sûr. Qui en a un, mais constamment. Qui se promène avec un plug. Oui. C'est un god permanent. Un god portatif, oui. Non, c'est fait spoiler. Et moi, c'est pas trop mon truc, moi, les godes. Non, mais pour moi, évidemment. Non, mais c'est rigolo. Pour moi, non, mais même pour les. J'aime pas goder des filles, moi. Non, mais de temps en temps. Ouais, c'est sûr. Ah, je déteste ça. Ah, je trouve ça grave. Non, moi, ouais, je trouve ça marrant, quoi. Non, mais quand tu touches ta nana, tu la godes un petit peu et tout. Ah, non, mais je déteste ça. Ouais, ça me fait penser à quoi. Rien que de sortir l'objet, j'aime pas ça, moi. Ouais, moi, je suis assez classique en amour, et puis il faut dire que j'ai ce qu'il faut sur moi pour donner du plaisir. Non, mais bien évidemment. Elle est déjà bien assez remplie. Oui. Non, mais c'est sympa, une fois de temps en temps. Faut pas non plus que ce soit une habitude, sinon. Ah, moi, je trouve que c'est la chose que ça fait salope. Ah, putain, ça m'excite trop. Mais Marie, ton mec, il joue avec les godes. Ah, ouais, putain, moi, ça. Il te gode, enfin, il joue avec les godes lui aussi. Ah, oui. Mais genre, il fait quoi? Il se les met dans les fesses? Mais non, mais pas lui. Ah mais enfin, ça m'est déjà il a déjà ma main dans le cul. Non, il y a plus de place. Ah, mais genre, est-ce que par exemple, il prend le god et genre, il le suce? Non. Non, pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de goder un de mes non. mecs, oui. Ouais, non, il fait comme ça. Tu joues pas avec. Non, mais moi, j'aime bien goder, moi. C'est que tu godes. Tiens, dites-nous alors. Je gode et je me fais goder. Vous aimez ou vous aimez? Il y a deux sens, quoi. Les sextoys. C'est rigolo. Tiens, j'en ai plein de sextoys. C'est vrai que ça rend. Il n'y a pas que ça. Hein, c'est Peace and Love, 24 ans dans le Rhône, qui nous dit ça. Ah, mais elle a une collection, lui. La meuf de. Ouais, mais je l'ai plus, elle a traîné ici, Momo s'en est servi, j'en veux plus. Non. Lui, il a rendu marron. Il sent le cornichon, maintenant. Non, mais il les a tous utilisés. Ils sont dans un état, les machins. C'est attention, horreur. Quoi. Ah, bah, la meuf de Fred, elle est accro au sextoy, quoi. Et à la double P au final. Hein. Tiens, Titi, le Marseillais, il aime pas les godes. Moi, je suis comme toi, D-Foot, j'aime pas trop les godes. Gio, du 76, 25 ans. Ouais, moi, j'aime pas les godes, c'est pas mon trip. Mais il faut pas que ce soit tout le temps. Vraiment pas mon kiff pour Thomas, 18 ans. Vous avez vu les godes, ça peut mais c'est un truc rigolo comme par exemple si tu décides de te filmer une fois comme ouais, c'est ça, un délire. Quoi. Ah, bon, après, il y a Karine qui dit j'adore les sextoys. Ah, voilà, j'en ai plein. Genre, elle en a plein, ouais. Moi, ça me gêne, nous dit Holly Wesh, c'est une fille de Corrèze. Mais toi, tu te mets où, Marie? Je trouve ça crade pour Armand, mais ça dépend où tu le mets, parce qu'il y a un endroit plus crade que l'autre. Mais sexuelle ou quoi? Non, mais tu peux dire, partout, monsieur Grobinet. D'accord, elle en a un double. Ah non, mais moi, c'est mon chéri qui sent ça. Non, mais il te met où? Dans le cul? Non, il te met où? Il y en a deux en même temps. Je confirme pas du tout dans le cul, non. Ah ouais. Ah ouais, non. Oh là, je suis déçu. Alors vraiment? J'aime bien les godes, tu vois. Bon, c'est partagé, mais vous êtes plutôt non, hein, les godes. Hein. C'est quoi un god? Bah, c'est un sextoy, en fait. Ouais, c'est un truc. Exactement. Une bite en plastique. Un truc qui ouais, t'en as des vibrants, t'en as des gros. Oh, bah, t'as des milliers de modèles. Je vois pas l'intérêt pour. C'est en plastique, en plus. Ouais, il y en a en fer, non? Il a raison, moi, je vois pas l'intérêt, non. Il y en a en bois aussi. En vrai, historique, non, mais simplement, silicone. Quand t'es depuis longtemps avec quelqu'un et tout, il faut avoir quand même des petits trucs différents. C'est marrant, je trouve. Bah, oui, chacun ses goûts, comment oui, on dit. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne sert à rien à God quand on a un D-Fool sous la main. Merci, Slimixi du 93. Ça n'a rien à voir. Je te fais un bisou, Slimixi. C'est pas le même délire. Je trouve ça sale, là, pour Cinda. Elle a 23 ans, Cinda. Je kiffe. Moi, je lui les mets dans le cul. Ouais, ça fait partie des préliminaires. Très bien, l'inconnu. Ah, bah, comme tu le sens. Tu peux lui mettre dans le nez. Quel message très drôle. Batista. J'ai choisi le plus drôle. Je viens de le voir. Tiens, c'est pour les pervers, nous dit au Phénoménaux du 69. Mais non. Moi, je trouve ça chaud, j'aime pas pour Pedro Cuzzi. La crapule aime bien les godes. Merci, la crapule. Ça peut être marrant, quoi. Bon, alors donc mais ça. Voilà, c'est... oui, quand t'es dans un. De temps en temps, ouais, moi je dis. Ça fait pas de mal, ça fait du bien. Heureusement qu'on arrive à s'amuser, quoi.
Bon, c'est le problème du mois numéro 4. Hein. Alors oui, bah là, là, je peux dire que la femme à Michel, elle, malheureusement, elle ne pourra pas mettre de god. Hein, parce que, bon, Michel a 34 ans, il est de Dijon. Alors, Michel a beaucoup lu le magazine Union. Premier mois numéro 5. Ah, voilà, dans le numéro du mois de juin, il y avait eu un grand dossier sur la sodomie et Michel... Oh, un grand dossier sur la sodomie. Et Michel a témoigné. Michel, en fait, il a un problème. Bon, sa femme avait eu un petit problème, elle a vu des fissures anales. Oh, la pauvre. Bon, comme toi, Romano, quand tu étais allé à la mer. Ouais, c'est ça, parce que je ne lavais pas mon maillot de bain. Après, j'ai vu des fissures au trou du cul. Il paraît que ça fait très mal. Ah ouais, putain, moi, j'avais trop mal. Bah, c'était horrible. Façon, tu le mettais devant le ventilateur. Tu pouvais pas dormir. Ah non, mais je dormais le cul écarté. Hein. Ça devait sentir bon dans la chambre. Mais t'étais en vacances avec lui. Non, n'étais pas là. Heureusement, je n'étais pas là. Non, mais je dormais, tu sais, genre, j'étais comme une meuf qui va chez le gynéco. J'étais sur le dos et les jambes écartées, quoi. Et t'as dormi comme ça? Ah, mais j'étais obligé, je ne pouvais pas dormir autrement, quoi. J'avais tellement mal au cul, quoi. C'était atroce, quoi. Wow. Je te dis, à la limite, le seul truc qui me faisait du bien, c'était je mettais le ventilateur, je me mettais à café. Pourquoi t'as pas mis genre un glaçon? Non, mais je mettais, ce que je mettais, ce qui me faisait du bien, c'était que je prenais du papier cul doux, tu vois. Ouais. Et je le mettrais entre mes fesses. Et ça, tu sais, mes papiers fesses... cul doux. Bah oui, doux, parce que oui, il y a des trucs un peu rares. Ah bah t'évites, ouais, le papier scotch brite. Ah oui, ça c'est clair. Jimmy Story You nous demande, mais c'est quoi une fissure anale? Bah c'est une fissure que t'as au niveau du trou du cul. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Comme une fissure qui est sur la terre, ben tu l'as dans le cul. Hein. Ah ouais, ça doit brûler, c'est ça. Ah non, mais ça fait très très mal. Moi je te dis, je me mettais le ventilateur, tu sais, ça m'aérait le cul, ça me faisait trop du bien. T'imagines le mec à quatre pattes avec le ventilateur. Ah non, mais attends, j'aurais pu rester comme ça des heures. La grande classe. Et ta meuf, ça l'aime ta bout de nerf, hein. Non, mais elle me passait de la pommade, elle était gentille, elle me mettait de la Nivea et tout, tu sais, pour essayer d'apaiser, quoi. Et le pire, c'est quand j'allais dans l'eau de mer le lendemain, tu vois, avec l'eau de mer, ça pique. Ça brûlait. Ah ouais, ça me piquait. Mais ça bouffe en plus, c'était horrible, quoi. Mais est-ce qu'une fissure anale fait saigner, nous demande Samy du 93-390. Je crois qu'il y en a, ça peut aller jusqu'à... Moi, j'ai pas eu saignement, mais en tout cas, j'ai bien douillé, quoi. Et le truc que t'as eu, là, c'était le même été quand t'es allé faire caca dans les roseaux, que t'as mis la main dans le caca, non? Non, c'était pas le même été. Un été magnifique. C'était un autre été, ça. Tous les étés sont différents. Non, parce qu'un été, j'avais... Bon, c'était mes troubles paniques, ça. Une envie de chier, mais carabinée sur la plage. Pas de chiottes. Que des roseaux à l'horizon. Donc, tranquille, moi, je vais me posséder à les roseaux, je baisse mon ben, et là je commence à être malade, mais tu sais, horrible, t'es pas sur un chiotte, t'es trop mal, tu sais, bon, comme dans les chiottes à la turque, tu sais, accroupi, quoi. Et là, tu sais, je m'appuie dans le sable. Bon, malheureusement pour moi, il y avait d'autres mecs qui s'étaient servis de cet endroit pour chiotte. Mais et là, j'écrase un truc mou. Bon, c'était une merde. Je me lève, j'en avais plein la main, tu sais, j'étais en train de souffrir dans le bas. J'étais en sueur. J'avais de la merde de plein les mains. Je chiais, mais tout ce que je pouvais, quoi. Et après, bon, je me suis essuyé les mains, mais ça collait. Hein, le gars avait le caca collant. Oh, ça arrive parfois quand t'es malade. Ah non, mais. Tous les étés, il t'arrive un truc, toi. Et là, j'ai rejoint la mer. Heureusement qu'il n'était pas loin. Et je me suis lavé les mains pleines de merde au bord de l'eau. Tranquille, il y avait des gosses qui jouaient à côté. J'appelais les gosses, il y a des morceaux pour faire un château. Oh, ça va être joli. Ah, ça, c'est sympa. Ça fera un drapeau. Tu sais, j'en avais sous les ongles. Ah bah ouais, mais bon. Ça me dégoûte. Est-ce que c'est à force de te goder que t'as eu des fissures anales? Nous demande Dim Latrick. Non, je te dis, parce qu'en fait, tu sais, j'ai un short de bain. Ouais, tu rinces pas ton... Et tu sais, il y a un slip en filet à l'intérieur, là. Et en fait... C'est toujours rincé. Et ça, je le rinçais pas tous les soirs. Et en fait, avec l'eau de mer, tu sais, ça m'a... Ouais, puis ça frotte. Ça m'a frotté le trou du cul et ça m'a mis mal, quoi. Il était mal, le man du cul. Ah ouais, mais ça a bien duré 3-4 jours, hein, facile. Hein. Et, sympa. Et donc, alors, les fissures anales, on nous dit, est-ce que c'est comme avoir un trou de balle irrité? C'est le petit baiser qui... Non, mais c'est ça, ouais, mais sauf que ça fait des fissures, quoi. Ça fait... Des trous. Ouais, non, mais c'est normal d'avoir un trou dans le cul. Des crevasses, quoi. Oui, c'est normal d'avoir un trou du cul, ça. Je te confirme. Ah, voilà. Sinon, ça ne sort pas. Non, mais ça fait des traits, quoi, en zigzag. Et Nathan qui dit, ça fait mal de se mettre un ventilateur dans le cul. Non, mais je le mettais pas dedans, là. Je rentrais pas avec les pales et tout ça. Je me mettais devant, quoi. Il était là devant et je m'arrosais le trou du cul d'air. J'aurais pas dit que je pète à ce moment-là. Ah ouais, putain, ouais. T'imagines la vision. J'aurais peut-être pas fait de Vendifoule, tu vois. J'aurais rigolé quand même. L'horreur.
En tout cas, j'étais très très mal. Ça m'aurait fait bien rire. Et donc, Michel, là, pour en venir au problème du moine, oui. Sa femme a eu des fissures au cul. Les fissures se sont réparées. Sûrement, c'est pas définitif. Problème, la dernière fois, bim, il l'encule, ça rouvre les fissures. Oh, oh bah, chance. Michel, alors bah, quoi, c'est surtout pour sa femme. Oh, mais c'est clair, surtout sa femme qui l'a dérouillée. Ouais, c'est comme une fissure dans un mur, ce qu'elle avait. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, moi, j'avais la même chose au cul. Ouais, ça brûle. Ça brûle, mais fort fort. Hein, t'as le cul en feu, hein. Y a pas d'autre mot là. Et donc Michel aimerait avoir une solution, savoir ce qu'il peut faire pour que sa femme guérisse définitivement du trou du cul. Oui, parce qu'il veut continuer à l'enculer bien fort. Ah bah elle aussi, elle en veut de la quéquette. Bon bah ils ont raison. Bah ouais, qui s'éclate hein. Qui sait, bah, le bah elle s'est bien éclatée en tout cas. Ça c'est clair que elle a eu sa dose. Donc vous avez les 5 problèmes du mois maintenant. 5 problèmes du mois. Ah bah il n'y a plus qu'à voter. Alors faut voter vite parce qu'il est déjà 23h17. Ouais, alors j'hésite. On va vous laisser 5 minutes maxi là pour voter pour un des 5 problèmes du mois. Vous votez pour Corinne avec son problème de bouche, puisque Corinne a un problème d'odeur de la bouche. Voilà. A priori assez prononcé. Et il y a du dépôt sur la langue. Hein. Elle a du jaune sur la langue. Elle a un problème. Donc son mec avait vu plus lui rouler trop de pelle et bon se faire sucer. Bah, c'est un peu normal. On comprend. Donc ça c'est Corinne, problème du mois numéro 1. Émilie, problème du mois numéro 2. Avec les parents partout. La musique. Pourquoi tu veux la musique? Bah parce que tu fais problème du mois aussi. Mais t'as fini de lire. Tu veux la musique? Mais elle est vilaine. Ah ouais, elle est tellement kiffante. Tellement vilaine. Émilie, donc le problème des parents partouzeurs. Lorraine, le problème de sperme qui veut absolument. Lorraine, elle déteste ça. Hein, mais elle veut absolument avaler. Non, parce qu'elle vomit à chaque fois. Non, mais c'est pas qu'elle déteste. Mais quand tu vomis. Romano, par exemple, si je te fais manger, alors qu'est-ce qu'il aime pas? Ah, si je te. Qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes vraiment pas du tout. Le yaourt avec des morceaux. Je te fais manger un yaourt avec des grosses fraises dedans. Et des morceaux dedans. D'agrumes. Ah ouais, dégueulasse. Tu vomis? Ouais. Non mais tu sais, moi ça m'arrive de vomir des fois, même des trucs que j'aime. D'accord. Non mais ça t'arrive jamais. Genre, tu sais, tu commences à bouffer et t'es écœuré. Je sais pas, moi des fois j'ai des écœurements, mais pas parce que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Parce que t'en as trop mangé. Non, même pas, non. C'est que tu penses aux Belges. Un moment de. Peut-être. Faut que j'arrête de penser à ta gueule. Un yaourt avec des gros morceaux. Non mais ça, c'est que j'aime pas. Ouais, ça c'est le goût. Ah, ça te dégueulasse. En manger, elle aime pas le sperme, mais elle veut en avaler. Bah elle arrive à le prendre dans la bouche, elle aimerait bien avaler. Bon, à chaque fois qu'elle essaye, ça descend un peu. Il y a tout qui remonte. Bah elle veut y arriver. Bon, c'est son objectif. Le 3. Ah ouais. Le 4, c'est Fred avec la double pénétration et le sextoy. Et le 5, c'est Michel de Dijon et ses fissures anales. C'est ça. Et bah maintenant, vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Non, il n'y en a que 5. Ah, pardon. Donc, il faut je crois que tu voulais qu'on apprenne à compter. Non, c'est bon. Bon, alors, je peux enlever la musique. Ouais, c'est bon, là. Voilà. Vous votez donc pour le problème du mois que vous voulez. Et on attaque. Et on attaque dans pas longtemps, là. Dans 5 minutes, le temps que vous votiez, ça a déjà commencé à voter. Hein. On attaque 7. Tu prends lequel, la Marie, toi? Moi, je prends le. Bah, le 2, la partouze, moi. La partouze pour Cédric. Non, moi, je crois que je vais prendre le 4, là, et les sextoys, là. Ah. Comment tu réagirais pour la partouze, Cédric? Ouais, je pense que je pète un plomb. Pourquoi tu pèterais un plomb? Bah parce que je pète un plomb. Je sais pas. Bah si c'est si ça fait plaisir à. Ouais, si c'est régal, t'es pas en. Non. Ouais, ça me ferait chelou, putain. Non, ça ferait chelou. Ouais, j'imaginais ça, ouais. Bon, putain. À part tous, donc pour Cédric quand même. Romano, tu prends lequel? Ouais, moi je vais prendre les fissures, moi. Les fissures anales, ça te rappellera tellement bon souvenir. Ouais, c'était le rêve. Oui, donc le 5 pour Romano. Tu prends lequel, Samy? On en a déjà un peu parlé, mais j'aime bien celui des godes, moi. Et Marie, elle a dit lequel, Marie? Les godes aussi. Les godes. Donc, et en deuxième, j'aime bien la partouze avec les parents. Vous prenez le 4. Ouais. Moi, je prendrais bien le problème du mois numéro 2, les parents partouzeurs. Ouais. Sinon, j'aurais pris celui-là, peut-être. Les parents d'Emilie qui font des partouzes. Ça me paraît pas mal, ça. Absolument, ouais. Partouzes, et ils sont un peu exhibes aussi. Mais oui, c'est ça, j'avais oublié. Ils sont très démonstratifs, comme on dit. Oublier qu'ils étaient un petit peu exhibes. Ouais. devant les enfants, donc ils font des trucs. Ouais, c'est ça, ouais. En public, ça se gêne pas. Bon, allez, on fait le problème du mois. Vous avez voté pour le problème du mois de ce soir. Lequel vous avez choisi? Vous n'avez pas choisi le problème des godes de 12% pour le problème des godes qui arrive avant-dernier. Dernier, c'est qui? Dernier, c'est le premier problème du mois que tu nous as présenté, Romain. Oui, c'est l'autre qui pète la gueule avec son dépôt jaune sur la bouche. Elle a du dépôt. Ça vous a priori trop d'écouter pour le faire avant de dormir. Donc on l'oublie. On oublie le 4, les godes. On oublie le 1 avec les. La langue flinguée, là. La bouche en vrac, la bouche d'égout. La bouche vide ordure, là. On oublie également le problème du mois numéro 3, le problème de Lorraine avec son problème de sperme. Désolé, pas de sperme avant d'aller se coucher. Eh bien, Lorraine ne pourra toujours pas le boire. Les fissures anales, on en a déjà beaucoup parlé. 26% des voix pour les fissures anales, c'est pas lui. Ouais. Donc, voici le gagnant. Le problème des parents partouzeurs, le numéro 2.
36% des voix pour le numéro 2. On c'est peut dire qui gagne. Large majorité. Ah bah oui, plus de 10% au-dessus du deuxième. Et alors, hop, et donc, je le prends. On va s'occuper de Émilie et ses parents par 12 heures. Eh oui, c'est parti. Et voilà, voilà. Voici donc, c'est parti. Et ah, voilà, oui. Voilà. Ah oui, bah alors, bonjour, j'aimerais alors. Quand même que on me donne ma manette du... Le Sporelec, il est là ? Ouais, attends. Ah, la manette du Sporelec, Romano, s'il te plaît. Hop. Pour que je puisse te faire lire correctement à chaque erreur de lecture. Tu balances. Ah, ah, ah. Un coup de jus comme ça, tout doux. Alors voilà, gentil. Ah, gentil. Ouais. Je peux faire plus fort, regarde. Ah, alors, putain, mais arrête. Mais c'est que c'est toi avec tes gros. Non, mais putain, mais ça fait trop mal là. Bah oui, mais tu as tapé dessus. Alors attends. Quoi? Ah non, mais parce qu'il a tout arraché cet abruti. Pourquoi t'as tout arraché? Bah parce que ça fait mal. Et bah c'est pour ah ça. Bah, si t'arraches voilà. Pas, ça fait pas mal. Alors. Allez, c'est parti, on y va. Voici la lecture du problème du mois de ce jeudi soir, le problème du mois de cette bonne Émilie. Eh pauvre. Oui, Émilie avec ses parents par 12 heures. Oui. Donc c'est parti, je commence à lire. Pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Ah, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Tu te chantes. Non, déjà, je ne sais pas, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Non, bonsoir. Oui, non, mais elle dit bonjour, elle. Ah, bonjour, alors. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et je préfère garder ma ville anonyme au cas où quelqu'un me reconnaîtrait, car ce qui m'arrive, j'en ai un petit peu honte. Ah. Je t'explique. Mes parents sont mariés depuis une bonne dizaine d'années et s'aiment beaucoup trop, à mon goût d'ailleurs. Je t'explique pour toi. Pourquoi ? Pardon. Ah, et oui. Ah, ah, et voilà. Bah, t'as fait une faute. En public. Eh oui, eh oui. Ils ne peuvent s'empêcher de s'embrasser langoureusement devant ma sœur et moi. Ça nous met très mal à l'aise. Également dans la maison, parfois, quand nous rentrons du bahut. Quand nous rentrons du bahut, mais non. Quand nous rentrons du bahut. Voilà. Ma mère est sur mon père, sur le canapé. Sur le canapé. Non, putain. Sur le... Oh, bah, en plus, canapé, c'est un mot qu'on utilise régulièrement. Ah, t'imagines oui. La vision, toi. Il marche bien ton nouveau canapé. Ouais, c'est parfait. Putain, je me vautre dessus. J'en ai tellement chié pour l'avoir, je pourrais vivre dessus à vie. Je demande même si je vais pas en amener un des deux. Parce que celui-là en debout, je vais faire l'émission dans mon canapé. Ouais, c'est ça. Et il y a toujours la roupiane dessus. Ouais, toujours, ouais. Ça, j'arrive pas à l'enlever, je le protège. J'ai tellement chié pour l'avoir, le machin, ça m'a pris 2 mois de ma vie. Il a mis une roupiane sur son canapé. Ça, on le sait. Hein. Et j'ai mis un tissu pour le protéger. Donc, c'est un canapé, non, un canapé. Ma mère est sur mon père, sur le canapé. Voilà. Je vois bien que mon père a soit les mains sur ses fesses, voire même dans la culotte devant, ou en train de lui caresser les seins. Ça vous choquerait, toi? Ah, ah, moi, ça me gênerait. Hein. Ah. Genre, je tournerais la tête, je filerais dans ma chambre. Quoi. Toi, ton père, il... Ah ouais. Comme ça, tranquille. Quand t'arrives à la maison. Là-bas, mais devant toi et tout. Là-bas c'est... dans la choulette. Ah, c'est bon. Et encore, s'il n'y avait que ça, ça pourrait passer. Mais un deuxième problème m'inquiète de plus en plus. Mes parents reçoivent beaucoup d'amis à la maison. Régulièrement, ils s'enferment dans leur chambre tous ensemble. Ils se retrouvent en général à 4 ou 5. Et je sais bien que... Ah, je sais bien que dans la chambre... Exprès, pardon Romano. Ils font des trucs sexuels. Parfois, j'entends comme des gémissements. Avec ma sœur, on en a parlé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et oui, on ne sait pas quoi faire. Quoi ? On ne sait pas quoi faire. Ben oui, c'est pas pareil. On ne sait pas quoi faire, c'est autre chose. Eh ben ça, Marie, bon, tu fais bien de nous le dire. Toi, mais... Non, mais ça, moi, j'y vais pas. Ouais. Coiffeur, il ferait faillite avec ah, moi. Ah, voilà, c'est ça. Alors, on ne sait pas quoi faire. Et après, ils ressortent comme si ne rien n'était de la chambre. Ils se retrouvent dans le salon. Et prennent l'apéro ensemble. Et parfois, ils y retournent une deuxième fois. Moi, je ne sais plus du tout comment faire. En parler avec eux, ça me gêne beaucoup. Déjà, toute leur scène en public, ça me gênait. Mais là, de savoir qu'ils sont devenus partouzeurs, je ne sais plus quoi faire. J'ai beau leur faire la gueule, ils ne comprennent pas. Est-ce du... Ah ! Ah bah oui. La tête en plus. Je leur fais la gueule, mais eux ne réagissent pas. Je ne sais pas comment leur dire que ça me gêne. J'aimerais beaucoup avoir un conseil de ta part. S'il te plaît, aide-moi, ma sœur et moi. À bientôt, bisous. Bon, alors, la réponse du problème du mois. Eh bien, la réponse du problème du mois, c'est parti. Allez, c'est... Il est branché. Réponse du problème du mois, Romano, lecture, vérification quand même de l'état du Sporelec. Ah, ah non, c'est trop fort, hein.
Mais tu cries pas au début, donc je mets plus fort. Ouais, bah bon, je crie quand j'ai mal. Ah bah oui, t'as eu mal alors. Un petit peu, oui. Je crois qu'il a eu mal. Désolé de t'avoir fait mal, c'était juste pour vérifier que le sport élec fonctionnait très bien. Alors, on va passer à la lecture. Qu'est-ce que va conseiller? Elle a écrit à qui, elle? Elle a écrit à Sexy Doctor. Elle a écrit à Sexy Doctor. Alors, attention, c'est parti, Sexy Doctor répond donc à Emily. Alors, faut préciser que Sexy Doctor, il est là. Non, on sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, voilà, bon, je pense que c'est un homme. C'est un être non identifié. Ouais, voilà, ouais. Dans la tête. Oui, je pense qu'il est pas du tout médecin. Non, pas du tout lui aussi. Tu as totale raison. Total raison, woman. La sexualité parent ne te concerne. La sexualité parent. Non, c'est. Ah. Oui, il manque un mot. Là. La sexualité des parents et ne voilà, concerne. Il manquait le D, oui. Eh oui, tu as totale raison. La sexualité des parents ne concerne pas leurs enfants. Dealer juste. Dealer. Ah. Un dealer, ils vendent de la drogue. Ouais, c'est pas mal. C'est dealer juste. Dealer juste que tu vois ou entends des choses qui ne te regardent pas et que cela te gêne. Ouais. Tu peux leur parler des bruits que tu entends lorsqu'il, a priori, comme tu nous le dis dans ta lettre, ils font des partous dans leur chambre. Également, quand tu rentres du lycée, tu peux dire à tes parents qu'il y a des endroits plus appropriés pour faire leur cochonnerie que dans le salon devant tout le monde. Ouais, ça c'est clair. Que par exemple, ils ont une chambre à coucher pour ça. C'est vrai. Cherche avec eux comment améliorer cette situation qui te met à l'aise. Avec par exemple. Mal à l'aise. Ça veut dire. Qui te met mal à l'aise. Par exemple, plus de discrétion en public. Oui, ça c'est pas mal. À sonoriser ta chambre ou la leur ou t'installer. Ou les deux. Ou t'installer à plus de distance. Tu peux aussi, lorsque tu en as parlé avec tes parents, leur demander d'aller faire chat chez leurs amis non, ou dans chat. Un. De faire chat. Merde. Ça. Chez leurs amis ou à l'hôtel. C'est ensemble que vous trouverez ce qui gêne et comment y remédier. Ils ne se rendent probablement pas compte. Encore un coup là. Non mais il a arraché les trucs. Là c'est débranché, tête de con. Mets-lui un autre coup parce qu'il parle mal. Attends, j'arriverai au bout. J'arriverai au bout. Si je suis à la dernière fois, je ne craquerai pas maintenant. Alors, ils ne seront probablement. Je vais remixer un peu la réponse. Non, mets-lui un coup parce qu'il remixe, vas-y. Ils ne se rendent certainement pas compte. Non, c'est ça. Ils ne se rendent probablement pas compte. Non, ah putain non. C'est de la merde ce mot. Quel connard ce Sexy Doctor aussi met des mots de merde pareil. Alors reprends la phrase, respire bien. Ils ne se rendent probablement pas compte du malaise qu'ils provoquent chez toi. Mais si tu n'en parles pas, ils ne le sauront jamais. Le meilleur des conseils est donc de parler. Bon courage et à bientôt.